Inès Reg est-elle invitée d'un dimanche à la campagne, l'émission de Frédéric Lopez, ce dimanche 25 décembre. L'animateur lui a réservé une belle surprise en diffusant un message de l'un de ses anciens professeurs, bluffé par son parcours dans Pékin Express. Inès Reg s'est fait connaître du grand public grâce à un sketch posté sur Instagram où elle invitait son mari Kevin à mettre des paillettes dans sa vie. Depuis, la jeune femme est apparue dans de nombreuses émissions télévisées et elle a même gagné avec sa sœur Anaïs Pékin Express, duo de choc, devançant Rachel Legrain Trapani et Valentin Léonard sur la ligne d'arrivée. L'humoriste était l'invité de Frédéric Lopez dans son émission Un dimanche à la campagne, ce dimanche 25 décembre. Très émue, elle est revenue sur cette belle victoire. Toutes les deux, avec nos petits corps trop nuls, on a gagné Pékin Express. Si est-ce juste fou, a-t-elle souligné, les larmes aux yeux. Inès Reg a réalisé le rêve de son professeur de sport. L'animateur a profité de cette discussion pour réserver une très jolie surprise à la jeune femme. Vous savez qui ça a surpris? Votre professeur de sport. Dont vous étiez amoureuse au lycée, lui a-t-il indiqué. Lionel Collet, son enseignant, est apparu à l'écran pour féliciter l'humoriste pour cette victoire inattendue. Je suis obligé de revenir sur cette performance à Pékin Express. Je n'y ne reviens toujours pas. Non pas que je ne crois pas en ta force de caractère, loin de là. Mais si est-il vrai que j'ai le souvenir de quelques moments pas très agréables vécus en EPS, parfois par ma faute, a-t-il rappelé. Avant de se montrer beaucoup plus tendre avec son ancien élève. J'ai toujours pensé qu'un professeur devait pousser ses élèves à réaliser leurs rêves. Toi, tu as fait plus que ça, parce que déjà tu as réalisé les tiens de rêve. Et puis, en plus, tu as réalisé celui de ton professeur. C'est-à-dire gagner Pékin Express. La classe, a-t-il souligné. Des mots qui touchent l'humoriste. Cette intervention a beaucoup touché la jeune femme. Incroyable, meilleur cadeau du monde. Merci de tout mon cœur, si est-il trop cool, s'est exclamé Inès Reg, très touchée par les mots de son ancien professeur. La compagne de Kevin a concédé qu'elle n'était pas la meilleure en sport à l'époque. Pourtant, elle aimait à la folie cet enseignant. Je m'entendais vraiment trop bien avec lui. On rigolait tellement. Si est-il vrai que je me suis souvenu que quand j'étais en troisième il voulait participer avec un autre professeur à Pékin Express, que c'était leur rêve et que c'était des grands, grands sportifs. J'avoue quand j'ai gagné, j'y ai obligatoirement pensé, a-t-elle conclu. À lire aussi elle était persuadée que c'était un signe, Inès Reg dévoile le point commun improbable entre sa sœur et Stéphane Rothenberg.